Fabriqué par des étudiants, des microsats. Je vais vous montrer un peu quelque chose d'un peu plus grand. C'est ce qu'on fait dans l'exploration de Mars. Et pourquoi on est là? C'est parce qu'il y a des jeunes dans les universités et qu'on a besoin d'eux pour demain. Et c'est vraiment cet esprit pionnier qui nous a tous animés et qui maintenant se transforme en esprit pour essayer de rendre le spatial utile. On a rêvé pendant des années de baisser les coûts de mission spatiale pour ouvrir la porte à l'innovation. On en est là aujourd'hui et c'est grâce à une implication sans faille de nos enseignants-chercheurs, grâce à l'enthousiasme de nos étudiants, dont nous avons ici des étudiants de l'Université Montpellier 2, mais dans plusieurs composantes, l'UT de Nîmes, l'UT de Montpellier, la Faculté des sciences, Polytech, à cette pédagogie par le projet, par le défi, qui a associé des doctorants, qui a encadré des masters, qui a encadré des étudiants en licence, et ainsi que des étudiants en UT, et ça c'est quand même remarquable. C'est aussi grâce à cette fondation, pouvoir financer des bourses. Et il est indispensable que nous disposions dans les universités de bourses de financement qui permettent de sécuriser le parcours de ces étudiants. Elle est, cette fondation, le vecteur indispensable de la mise en place de ce centre spatial universitaire qui a été vanté par mes prédécesseurs au micro d'une façon juste en disant que cette initiative est la première initiative en France. Mesdames, Messieurs, je voulais vous dire quelques éléments. Comment votre démarche est forte dans le monde universitaire? Comment votre démarche est forte dans le monde de la recherche? Comment votre démarche est forte à l'échelle du développement économique de la région Languedoc-Roussillon? Comment votre démarche est forte à l'échelle de la France? La prochaine étape du processus, on en a longuement parlé, c'est la construction du centre spatial universitaire qui réunira sous le même toit toutes les compétences scientifiques universitaires, les équipements de pointe et bien évidemment les industriels du domaine. C'est très important de faire une connexion entre l'Agence spatiale française et les universités en France. Alors Montpellier a pris l'initiative de former un centre universitaire où on peut entraîner les jeunes et de cette manière engager aussi l'industrie. C'est un modèle qu'on fait assez souvent aux États-Unis. Aujourd'hui, on a une vraie formation à Montpellier qui permet de travailler dans n'importe quelle industrie plus tard, mais avec la rigueur que le spatial nous apprend. D'abord, bien évidemment, c'est l'excellence de l'Université de Montpellier en matière de composants électroniques spatiaux. Ça, c'est le groupe de l'IRS et de Radiax en particulier. Je pense que le spatial a besoin de l'ensemble, d'abord des clients. Je pense que les clients, c'est quand même ce qui fait vivre malgré tout l'activité. Et ensuite, là, c'est toute une cascade donc d'industriels, mais aussi de laboratoires, d'universités, etc., qui font que ce secteur est ce qu'il est aujourd'hui. La première motivation, c'est l'envie de transmettre. Transmettre notre passion et transmettre le savoir. Je souhaite un avenir radieux au CSU et je souhaite qu'il y ait plein de jeunes étudiants qui viennent travailler sur des projets qui seront financés par la Fondation et qu'on arrivera à les attirer dans nos entreprises. Si ça nous passait, c'est-à-dire c'est deux messages. Soyez candidat pour être élève, etc. Donc, c'est un 2D. Si des gens industriels ont de l'argent et qui veulent passer de façon utile, eh ben, soyez les seuls et rejoignez-nous. Voilà, merci.